Alors les toutounettes, là il y a du toutou là. Hein. Ça a la forme. Hein. Allez, on va voir. Ce gros noir là, celui-là est pas mal. Un autre qui est pas mal, c'est celui-là, là. Ce gros marron là. Le seul mâle marron. Ça a la forme, hein. Ça pousse bien, ça mange bien. Il va falloir que je sorte la mer bientôt parce que... Parce que voilà quoi. Donc voilà, celui-là est une belle tête là. Hein. Regarde ça. Les noirs sont à la fois vifs et à la fois calmes, c'est bizarre. Par contre, ils ont la pêche. Hein. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Regarde-moi ça, regarde ça. Regarde-moi ça, qu'est-ce que tu viens faire, là? Ah, la rapiette. Le plus petit du lot. Qu'est-ce qu'on en fait de cela, hein? Ça. Ça, c'est un bon comportement, ça. Très solitaire. Très, très solitaire. Le plus bourru, je pense, du lot. Il a la tête vraiment du griffon. Très ténu aussi. Regarde si ça mord, regarde si ça mord. Regarde ça, tout seul dans son coin. Les marrons sont plus soumis que les noirs. Par contre, les noirs, ça bouffe. Ça chope et ça castagne. Je pense que ces deux-là, ils quitteront pas la maison. Puis ça bouffe les croquettes comme ça veut. Ils peuvent boire à volonté. Alors celui-là, il regardait les poulets toujours. Et si je peux en choper un, je peux te dire. L'autre, il passe un sale quart d'heure. Donc c'est des chiots qui ont 5 semaines. Voilà. Du 18 mai. On est aujourd'hui le 22 juin. Voilà. Un chiot qui a une belle forme. Hein. Il est bien, bien charpenté, bien régulier. Celle-là, la seule tricolore. Du vrai faux nivernais, croisé de pur bâtard.
On parle aussi du comportement des chiots par rapport aux parents. La tricolore, elle bouffe 4 croquettes, elle boit un peu, c'est fini, elle a fini de manger et elle est en forme. Que cela, il bouffe. Et finalement, la tricolore ressemble à la mère, qui ne mange pas beaucoup, qui est assez difficile. Que cela, ça le sera moins. Celui-là, il me plaît bien, ce mâle marron là. Belle charpente. Costaud. Et alors, la rapiette là-bas, la plus petite du lot. Elle a bien profité par contre, elle s'est rattrapée. Et l'ours. L'ours de la maison. Le plus gros de la portée. Et il a aussi un comportement assez singulier, ouais. Tu viens? Tu me regardes là? Un joli chien, un joli chiot, ouais. Tu viens? Si vous voulez vous faire bouffer. Donc, les mêmes ressemblances que la mère, cette petite poêle lisse presque là, qui en fait a les quatre pattes blanches, comme l'avait la mère, mais moins accentuée peut-être. La bande noire sur le dos, bien visible.